Riva, entourée des sables du désert, s'est construite en disposant les habitations les unes contre les autres. Aujourd'hui, ce qui était une contrainte d'espace est devenu la touche de charme de cette ville composée de rues étroites, ville de mille et une nuits qui va est désormais une petite Mecque touristique. En 1967, Kiva est rentrée dans le rang du patrimoine national sous protection de l'État. En 1990, sa ville intérieure, Ishan Kala, a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre Kiva et Kazarasp, deux grandes villes de la route de la soie où les grandes caravanes pouvaient s'arrêter pour reprendre des forces ou échanger leurs marchandises, se trouvait un petit point d'arrêt, la forteresse Kalajik. À côté de cette forteresse de plus de 3000 ans, un lac est apparu en plein milieu du désert. Son eau est si salée que le corps humain peut y flotter. Plonger dans ses eaux denses ou s'enfouir dans le sable brûlant entourant le lac serait très bénéfique pour le corps.